Les cadeaux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo mes cadeaux d'anniversaire. C'est écrit dans le titre donc vous êtes déjà au courant. Désolée, je pense que vous allez voir mes éclairages dans mes lunettes, mais j'ai pas le choix. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai eu un problème à l'œil et du coup j'ai pas le droit de porter mes lentilles. Je pense que ça va être chiant, mais si je les enlève, bah je vois rien quoi. Enfin bref, je suis mais de trop bonne humeur. Donc avant de commencer, je vais pas faire le disclaimer habituel, genre je fais pas cette vidéo pour montrer tous les cadeaux que j'ai reçus. Parce que ceux qui pensent ça, bah vous êtes pas très intelligents et flemme de vous rendre intelligent, donc restez cons. Allez, on va commencer tout de suite avec les cadeaux que j'ai reçus de mon papa et ma maman. Totalement au hasard, hein, je suis pas du tout dans l'ordre de préférence ou quoi que ce soit. Donc le premier cadeau que j'ai reçu vient de American Vintage. C'est une petite pochette trop belle. Vous voyez cette couleur? C'est rose poudré. S'il y a bien un truc que mes proches ont retenu cette année, c'est que le rose poudré, c'est la couleur de ma vie en ce moment. Et elle est magnifique. Je sais pas trop comment vous décrire cette matière. Ça fait un petit peu... Non, j'arrive pas à décrire, donc ça sert à rien que je décrive pour dire de la merde. Je la trouve trop chou. Elle est trop belle. Et bah je l'aime trop quoi. Donc ensuite le deuxième cadeau que j'ai reçu de la part de mes parents, ils ont vu ça dans ma wishlist, c'est un sac de voyage. Je vous jure, vous l'ouvrez. Vraiment que Mimi Mathy, elle rentre dedans, c'est immense. Il est marron, franchement je le trouve super beau, hyper pratique, je le kiffe. Ensuite toujours de mes parents et toujours de ma wishlist, ils m'ont acheté le casque audio Urban Ears et ils m'ont pris en blanc, exactement la couleur que je voulais. Je sais qu'il est cool parce qu'en fait on avait un avant en marron et là je voulais changer, j'ai pris blanc. Donc voilà, je le trouve trop cool. En tout cas, je le surkiffe. Dernier cadeau de la part de mes parents. Une écharpe d'une beauté, d'une douceur surtout. Mais oh là là, elle est mais juste magnifique. Je l'adore. Vous voyez, elle est rose poudrée, un peu beige comme ça. J'aime d'amour. Donc cette écharpe au top du top. Voilà pour les cadeaux de mes parents. Je suis trop contente de tout ce que j'ai eu. En plus ils m'ont donné de l'argent en plus de tout ça. Donc vraiment je les remercie encore une fois. C'est trop cool. Ensuite bah hop, on va parler de ce petit pull où il y a écrit petit sein mais grand cœur. C'est Bibi. Voilà, c'est mes potes de l'école qui m'ont acheté. Et franchement il est trop cool. Il est super doux. Il est gris. Il est... J'adore. Et le pire c'est qu'ils m'ont acheté ça couplé avec un deuxième cadeau. Et vous allez voir comment mes potes me voient. Voilà. C'est un demi-buste d'homme. Vous pouvez dormir comme ça dessus la nuit. Honnêtement, ça me fait trop rire. Mais le pire, c'est que je m'en sers vraiment parce que c'est hyper confortable. Et la nuit, vraiment, je surkiffe. Donc voilà comment mes potes me voient. Petit sein, célibataire toute ma vie. Merci. Ensuite, bah tiens, je vais vous montrer. Oh là là, si vous me suivez sur Snapchat, vous les avez vus. De la part de ma copine Loulou, elle m'a trouvé des cuissardes. Mais des cuissardes exactement comme je voulais. Elles sont magnifiques. Elles s'attachent derrière en fait avec un lacet. Elles sont un peu en suédine. Donc c'est vraiment ces cuissardes, mais c'est le modèle exact que je voulais. C'est un truc de malade. Je pouvais pas rêver mieux. Je voulais un bout pointu mais pas trop. Je voulais des montantes mais pas trop. Je voulais pas de talon mais pas tout plat. Il y a un mini talon. Je les kiffe. Ça, maman. Ensuite de la part d'autres de mes amies, elles m'ont vraiment trop gâtée aussi pareil. Donc déjà il y avait deux petits bijoux Brandy Melville, une paire d'oreilles comme ça. Matez pas mes doigts, je sais ils sont moches. Magnifique. Je pense pas que vous allez pouvoir voir comme ça parce qu'il est vraiment super fin. Mais en fait c'est une chaîne qui fait un choker et il y a une petite perle au milieu. Il est sublime. Je le surkiffe. Elles m'ont aussi acheté une bougie où il y a écrit Make a Wish dessus. Elle s'appelle Blush. Et mais par contre, mais l'odeur. Mais ça sent. Mais ça sent. Mais ça sent trop bon. C'est... Oh là là. Je pourrais pas vous dire l'odeur. Parce que je pue du cul à décrire les odeurs. Mais franchement, souvent les bougies, elles sentent soit les fleurs, soit le propre. Et bah là, ça sent les deux réunis. J'adore cette bougie. Ensuite, toujours de ces mêmes potes, elles m'ont offert... une plante, je sais pas si ça rentre dans le cadre. Elle est trop jolie, c'est un yucca. C'est une sorte de petit palmier que dans l'oreille. C'est une sorte de petit palmier que je peux faire pousser pour que ça devienne un fat palmier. Elle est trop cool, je suis trop contente. Pareil dans ma wishlist, j'avais mis que je voulais des plantes. Et regardez le vase qu'elles m'ont choisi.
rose pâle. Je suis trop trop contente. J'adore cette plante. Elle va faire très très bien dans mon petit appartement. Le dernier cadeau de la part de ses potes, c'est un livre. C'est Le charme discret de l'intestin. C'est un best-seller depuis hyper longtemps. Ça fait des mois que j'ai envie de le lire. Et ça y est, on me l'a enfin acheté. Franchement, je suis trop trop contente. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que ça fait un bout de temps maintenant qu'il est sorti. Et globalement, en fait, c'est un livre qui montre à quel point tout se passe dans le ventre. Comme par exemple, quand vous êtes stressé, vous avez mal au ventre, enfin je sais pas. Tout ce qui se passe dans votre vie, ça a forcément un rapport avec votre ventre. Donc j'ai vraiment hâte de lire tout ça, je suis super contente. Je le lirai et je vous dirai sur Snap ce que j'en pense. Mais je suis ravie. Ensuite, de la part de ma sœur, je suis trop contente aussi. Je l'avais mis sur ma wishlist. C'est la palette d'highlighter de chez Sleek. Et elle m'a pris en plus celle que je préférais des deux que j'avais mis. C'est la Solstice. J'ai pas envie de vous éblouir, mais en fait voilà, donc il y a 4 highlighters. Donc un crème et 3 poudrés. Et regardez le packaging, il est sublime. J'ai trop hâte de tester cette palette. Je l'ai pas encore testée, mais pas l'envie qui manque. Et comme je vous ai dit, mes parents m'ont aussi donné des sous avec tous les cadeaux qu'ils m'ont donné. Donc j'ai déjà acheté des petites choses. Je suis allée chez Sephora et j'ai acheté cette palette de chez Sleek. Je suis rentrée, je savais pas du tout que Sleek avait sorti cette palette. Et les gars, elle coûte 9,95€. Sachant que chez Sephora, il y a toujours moins 20%, je l'ai payé 7€. Donc déjà, je kiffe le packaging. C'est la 049 et matez-moi ce petit bijou. Pour 7€, j'ai quand même 6 fards. Et les fards sont d'une pigmentation, c'est un truc de malade. Je vais vous montrer par exemple, là j'en prends sur mon doigt. Regardez. Je suis passée qu'une fois. Et ouf, c'est des fards hyper pailletés, donc il me tarde vraiment de les essayer. Donc voilà ce que j'ai acheté à Sephora. Et pour terminer, j'ai aussi reçu 2 trucs de la part d'Octolie. Donc ce petit truc de chez Clinique, testé, il est au top. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de l'essayer. Quand vous l'ouvrez, vous avez 2 parties. La première, en fait, c'est un baume à lèvres. Et la deuxième, quand vous tournez l'autre côté, c'est un gommage. Donc en fait, il y a des petites granules à l'intérieur. Faites comme ça sur vos lèvres, ça vous les exfolie. Moi, je l'ai en teinte, la teinte 01 tout simplement. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé un produit Clinique, donc je suis archi refaite. Et le dernier produit que j'ai reçu, c'est une bougie My Jolie Candle que j'ai également reçue de la part d'Octolie. L'odeur, je meurs. C'est l'odeur fleur de cerisier. Et si vous kiffez les bougies qui sentent la fleur, mais ça, ça sent la fleur à 12 millions de kilomètres. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer pendant 40 ans ce que c'est les bougies My Jolie Candle. Je pense que toutes les youtubeuses vous le rabâchent assez suffisamment. À l'intérieur, il y a un bijou Zarowski. Donc j'ai hâte de pécho le petit bijou. Je trouve que c'est une super idée de cadeau parce que en plus d'avoir une bougie, vous avez un bijou à l'intérieur. Voilà, c'est tous les cadeaux que j'ai reçus cette année. Je suis mais tellement reconnaissante pour tout. Ah mais non, mais j'ai aussi reçu de la part de mon papa et de ma maman un bouquet de fleurs qui m'ont fait livrer, vous savez, avec aquarelle. Je l'ai reçu le jour même de mon anniv. Je vous mets une photo juste ici que j'ai postée sur Instagram. Il est mais sublime, je l'ai encore, les fleurs tiennent encore. Il est trop beau et il est rose. J'espère que j'ai rien oublié parce que sinon c'est vraiment la honte. Mais je crois pas, hein. Merci aussi à vous parce que vous avez été mais tellement nombreux à me le souhaiter, que ce soit sur Snapchat, Twitter, Instagram et surtout dans les commentaires de ma dernière vidéo. Je vous remercie, je vous aime, je vous fais plein de bisous et je vous dis surtout à plus pour une prochaine vidéo. Bye !